J'ai peur. Salut tout le monde. Salut. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour faire un slime. Oui. Et on va vous montrer autre chose que des slimes. La petite épicerie nous a envoyé un super colis pour nous souhaiter une bonne année. Ouais. Et alors on avait envie de vous montrer ce qu'on a reçu. On a d'abord eu deux slimes, un qu'on va faire devant vous et un qu'on a déjà fait toute seule, enfin toute seule. C'était le Blue Diamond, diamant. Et en fait, c'est comme le Crunchy Slime, tous les perles et tout vont en bas. Voilà, mais il est cool. Hein. Il est cool, il est très cool. On a ici le Diamond Slime, alors ça c'est le même mais en rose. Alors sinon on va vous montrer comment on le fait. Ce qui est, la préparation est basique pour un slime, hein, mais on trouve ça toujours sympa de vous montrer. Et alors un petit aperçu très rapide, mais très rapide. Ça, voilà, c'est tout. Et ça on vous le montre après. Ça j'aime trop. Alors, ma petite assistante va faire le slime. Ouais. Hop, je te mets des trucs là. Et alors, je te dis ce que tu veux. Nous avons les perles. Mais ça, on ne sait pas maintenant. Ne commence pas. Okay. C'est parti. Oui. Verse 100 ml de colle dans ton bol. Faut qu'on aille peser. Bah non, il y a 100. Il y a déjà 100 ml, non? Oui. Bah oui. Ils sont bons. Moi? Oui. Ah, le truc, il est parti avec. Oh, bah, comment on va faire? C'est pas grave. Hein. C'est pas très grave, on va le mettre sur le bout de papier. Bon, moi, c'est plus facile. Hein. Alors, je voulais remercier Marion qui, à chaque fois qu'on reçoit un petit colis de la petite épicerie, vous met un petit mot. Et je trouve ça trop chou. Merci, Marion. Merci, Marion. Avec un cure-dent, perce la cartouche et verse deux gouttes dans la colle. On n'a pas prévu de cure-dent. Ah, des aiguilles, ouais. Mais, ouais, ok. Des aiguilles à tricoter. Ouais, deux gouttes. Même pas trop. Oh, tu peux mettre 3 gouttes. Il sera peut-être un peu plus intense, mais si tu veux bien suivre la recette, c'est 2. 1. Tu mets 3? Ouais. 3. Oh. Mais quelle rebelle, elle ne fait rien comme c'est marqué. Et encore. Trois heures plus tard. Saupoudre tes strass dans la colle. Garde-en un ou deux gros pour décorer la boîte. Il y a des gros là-dedans. Il n'y a pas de gros. En fait, je pense que c'est plus ça, quoi. On va prendre plus ça pour décorer la boîte. Ah si. Ah. Ah, donc il y a un gros cœur rose, hein, très joli. Moi, c'est joli. Vas-y, mélange. C'est joli. Ajoute tout l'activateur de slime. Donc là, il y en a 4 doses. Et on met tout. Et tu mets tout. Donc tu peux retirer tout d'un coup et puis mettre. Tu fais exprès. Oui. Ça, c'est pas le bruit que j'aime bien. Du coup. Oh, d'habitude, ça fait un bruit un peu chelou. Et là, on mélange et ça devient un joli slime. Puis là, il y a encore plein d'activations. Il y a encore plein d'activations. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de faire rentrer tout le liquide dans le slime. Je peux le faire à la main? Bah oui. Le bruit est très chelou. Le voilà. Le slime. Diamonds are the gold, best friend. Diamonds are the gold. Voilà, il est très joli. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est décorer la jolie boîte. Donc on va mettre de la colle. Alors évidemment, c'est de la colle très liquide, donc il faut attendre que ça sèche, n'est-ce pas? Mais ça, c'était avec.
Donc ça, c'est la planche de strass. Et c'est avec. Alors maintenant, vous pouvez l'utiliser pour votre boîte. Ou vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, un garçon. Pour le café, l'ordi, le GSM, la calculatrice. Le café, le tasse de café. Le tasse de café. Maintenant, je suis pas sûre que ça tienne super bien. C'est des petits collants, hein. Mais c'est très sympa. Ah, c'est comme ça? Non, mais moi j'ai pris comme ça. Ah, c'est pratique. Concentration ultime. C'est joli, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc le slime est fait. Alors, c'est toujours sympa. Ouais. C'est toujours sympa de faire du slime. Toi, t'aimes bien, hein? Oui. Ça, c'est ton truc. N'oubliez pas, si vous commandez sur la petite épicerie, le lien est en barre d'infos. Vous avez droit à moins 10% sur tout le site grâce au code DJ. Oui. DJ. Que vous commandiez n'importe quoi, hein, même d'autres choses, même je pense ce qu'on va montrer. Attention, je lance. Oh. Une fraise. Voici une fraise. Squishy. Pourquoi ça fait pas de bruit? Ça devrait faire du bruit quand tu appuies, ce serait encore plus marrant. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage que ça fait pas un bruit un peu spécial. Là, il n'y a rien. C'est vrai que c'est agréable à toucher. C'est vrai que c'est hyper... C'est vrai que c'est hyper agréable à toucher. Mais il manque du bruit. Pas un pouet-pouet, hein, mais un... Un pouet-pouet. Non, mais un truc qui crrr, qui crrr. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a un petit tigre. Oh. Et ils reviennent en place. Et ils reviennent. C'est fascinant. C'est fascinant. Une licorne. Une licorne squishy. Oh la pauvre. Quelle violence. Qu'est-ce qu'il y a? Ta tête quand il fait. T'as l'air de prendre du plaisir de détruire la licorne. Là, ça a une autre matière, je trouve. C'est pas la même chose? Ouais, je trouve. On vous montre après. Ah oui, c'est pas le même truc. Ouais. Et puis, c'est un petit panda. Petit panda. Petit panda. Petit ourson de Chine. Petit panda. Vieux carré des Mayas. Et color et Maya. Je pense qu'on est pas synchro sur la. Et color et Maya. Mais non, vie en Himalaya. Hein? Je crois. Non, c'est color et Maya. Non, et color et Maya, ça veut rien dire. Ça veut... Tandis que vie en Himalaya, ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc, il y a deux autres petites choses. Alors, ça. C'est triste. C'est pas que c'est triste, c'est qu'on ne sait pas comment l'utiliser. On l'a déjà vu sur des. Enfin, moi j'ai déjà vu passer sur des trucs Instagram ou Pinterest ou des trucs comme ça, mais ouais. Je ne sais pas comment, comment le fixer sur ce qu'on devrait fixer. Normalement on a un téléphone et on a une coque. Et ceci, c'est un petit chat avec un dos plat qu'on doit coller sur le truc. Et quand on est stressé, ben, on fait comme ça. Voilà, c'est un anti-stress de téléphone. Mais... Moi j'aurais peur d'esquinter ma coque parce qu'il faut vraiment mettre de la colle forte là-dessus. Là on a un phoque ou un je sais pas quoi. Si ça ressemble à un phoque. C'est un bébé phoque. Il y avait une chanson bébé phoque. Bébé phoque. Non. Phoque. Phoque. Non pas phoque, phoque, phoque. Sors cette autre chose. Oh mais il faut c'est que... ça qui me chatouillait tous. Il faut que je le trouve, je suis désolée mais il faut que je le trouve avant. Je peux pas vous laisser sans la chanson du bébé phoque. C'est ça qui me chatouillait tout l'après-midi le bras, je pensais que c'était mes cheveux. C'était Bibi Phoque. Alors ceux qui sont de ma génération doivent certainement se souvenir de ce dessin animé mythique qui s'appelait Bibi Phoque. Voilà. Bibi 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 Phoque. Eh ben, ça c'était quelque chose des années 80, moi je vous le dis. Au revoir. On la tient en même temps.
cette vidéo vous aura plu. Ah oui. On vous fait de très très gros bisous. Gluant. Et Squishibo. Et Squishy. Squishy. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Bye. C'est bon. Fait déjà du bruit. Ça fait déjà du bruit à la main. Oh, c'est qui ça? Allez, 1, 2, 3, hop. Ah!